Et bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode de GTA 4. Comme vous l'avez vu, on vient de terminer les sauts uniques. Vous venez de voir le 50e réalisé et vous venez de voir en fait ce que je voulais vous expliquer et à quel point c'est une activité frustrante et qui m'a donné envie de rage quit le 100% plus d'une fois. Puisque vous voyez, je viens de faire un saut pas très impressionnant, un peu pourri avec une voiture pourrie. Et il me met que c'est une cascade réussie. Avant de réussir à faire ce saut, j'ai fait une première tentative où j'étais en moto avec une moto puissante. J'ai fait un saut super loin parce que pour vous dire, avec la moto, j'ai atterri contre le grillage qui est là-bas. En plus, j'ai fait une petite figure dans les airs. Et là, il me marquait insuffisant. Je ne comprends pas comment il décide des fois de dire non c'est pas bien, non c'est bien, oui c'est bien, voilà, je comprends vraiment pas comment le jeu fonctionne dans la validation d'une cascade ou non. Je me suis arraché les cheveux de la tête plus d'une fois à essayer de faire une cascade, à essayer de me dire bon bah peut-être que je vais pas assez loin donc il faut que j'arrive plus vite sur le tremplin, peut-être qu'il attend une figure, peut-être qu'il attend un type de véhicule précis. Quoi que ce soit, pour finalement réussir la cascade sur un truc tout naze et devenir fou, tout simplement. Donc voilà, je suis bien content d'en avoir terminé avec ces sauts uniques. Donc c'était la petite activité annexe de début d'épisode. On va aller récupérer un gilet pare-balles. Alors je pourrais appeler Little Jacob, hein. Bah. Vous me dites pourquoi il appelle pas Little Jacob et il va directement jusqu'à une armurerie. Tout simplement parce que je l'ai appelé quand j'ai fait ma première tentative, notamment avec la moto. Eh bien, je suis mort, donc je vais pas le rappeler direct pour avoir des armes. Je suis pas sûr qu'il m'en donnera en plus. Donc voilà, ça a été une activité très très longue à faire, les 50 sauts. Très frustrante, très capricieuse aussi, hein, il faut le dire. Peut-être que c'est moi qui n'ai pas compris quelque chose, mais franchement, il y a quand même des sauts où je faisais des trucs sans sas, en mode je passe au-dessus d'une autoroute, je raterris proprement, hein, je tombe pas de la moto et je continue ma route, c'est stylé à mort. Et il me fait non, c'est insuffisant. Et puis après, je fais un saut de désespéré, je fais un saut pourri avec une voiture, je passe même pas au-dessus de l'autoroute, je m'écrase avant de passer au-dessus et. Puis là il me fait, oui c'est bon la cascade est réussie. Mais pourquoi? Pourquoi mon truc trop stylé et tout ça passe pas et le truc tout moche là ça passe. Donc voilà, je ne sais pas comment ça fonctionne. En tout cas c'est fait. On ira, ça sera sauvegardé assez vite. Et c'est une activité de terminer. Et donc il nous reste plus grand chose à faire en activité annexe. Il reste les personnages secondaires à rencontrer et à faire les vols de voiture. Alors ce sera pas dans le prochain épisode mais dans deux épisodes normalement. Vous aurez au début de l'épisode 33 du coup, eh bien le vol de la dernière voiture, on le fera ensemble. Bien, nous on va aller voir Francis aujourd'hui puisque on va faire de la quête principale. On avait fait la dernière fois de la quête annexe avec les contrats d'assassinat qui était plutôt fun. C'est une vidéo assez longue pour le coup mais ça change un petit peu des vidéos de 3 quarts d'heure pour l'émission principale. Et donc là on va aller voir Francis qui se réveille un petit peu après qu'on ait pas mal rencontré sa famille qui est bien différente de lui, bah, en tout cas en apparence. Mais je préfère ses autres frères qu'à lui. Ne serait-ce que parce que je déteste l'hypocrisie et Francis est un personnage totalement hypocrite. Pas que sa famille soit recommandable, hein, mais au moins ils ont au moins une honnêteté sur leur situation et sur qui ils sont et qui ils ont choisi d'être. Donc là-dessus, au moins on peut les apprécier par rapport à ça. Il va falloir aussi changer de voiture et dès qu'on voit un resto, je vais m'arrêter pour manger et récupérer le petit peu de la santé qui me manque. Et donc on va faire 3 missions hein, comme d'hab aujourd'hui.
commencer par Francis. Ah, quelqu'un m'appelle. Non. Alors, je pense que quelqu'un a essayé de m'appeler, mais... C'est ouvert, ça? Mais vu que j'étais dans le tunnel, ça a pas passé. Non, c'est fermé. J'essaie de faire gaffe aussi à... S'il y a un truc de hot dog ou de choses comme ça. Ce qui fonctionne tout aussi bien. Il y en a pas mal dans les coins de rue quand même. Donc... Ah, c'était peut-être Roman. Nico, c'est Roman. Tu veux shoot some pool? C'est une bonne idée, cuz. We shall play pool. I pick you up in next hour. Ok, man. I will see you soon then. Hop, on annule, hein, comme d'hab. Sorry, Roman, I cannot play pool with you anymore. I have another plan. All right, Nico, we shall do this another time. Later on. Alors, c'est très bien, hein, ce système d'amitié et tout. C'est plutôt sympa. Mais qu'est-ce que c'est intrusif? Hop, on va changer de voiture ici. Qu'est-ce que c'est intrusif? Ah, j'aime bien celle-là, au fond. Ça te lâche jamais, hein. Quand je fais les activités annexes en off, notamment. Parce que dans les épisodes, ça va encore. Puisqu'on est souvent en mission, et généralement, ils ne s'appellent pas en mission. Ou alors, c'est un appel plus ou moins scripté. Et où Nico répond en mode bah, attends, écoute, là, je suis en train de piloter un hélicoptère entre des bâtiments, etc. C'est compliqué. Mais ouais, c'est hyper intrusif. Bon, j'en parlerai après. On va écouter la cinématique. Tell me Derek was back. What? Why didn't you tell me you was hanging around with my brother? I assumed if you cared, you'd have found out. Well, I have found out. Jesus, you know Derek's not well. No? No, he's sick. He always was. He's always off getting involved in someone else's fight, making a fool of himself, betraying people, going into hiding. He's an idiot and a coward. It's not my business. Whatever he stood for, he betrayed. He only left here in the first place because he was caught stealing from the mafia. He's a pathetic wretch. Okay, I got it, so... Now, he's gonna ruin my life. If it wasn't bad enough having a bunch of crooks for brothers, now I've got him threatening to talk to a journalist about his family, about me! Well, tell him to be quiet. I am trying to become the commissioner of police. Be a laughing stock. Cop with the famous snitching traitor for a brother. Ugh. You know, the crooks I can handle. See, that I can spin. But not this. Not this. You got the big problem then. Me? We, my friend. We. You stop it. Stop. Stop. Kill your brother. He's already dead. Just put him out of his misery. Fuck you. No, fuck you, pal. I'm gonna meet him in the courtyard park off Bismarck and Lancet. Deal with him. Make him a tragedy, not a disaster. Do it, or I will put you away. Oh, don't push me. Alors deux choses, déjà la mission a un titre de chanson d'Iron Maiden. Mais c'est pas possible, eh oh. D'Iron Maiden. Derek, on va le voir. Thank fuck you, Ant. Frankie arranged to meet me at this park on Bismarck. I think he's gonna try to kill me. Cops can kill who they like. You know the place? Are you close? Can you get there in time? I think I can make the meeting. You gotta take him out before he makes a move. This is Cain and Abel stuff, I'm telling you. Question is, which one of us is gonna be wandering the earth with a mark on his head, and who's gonna be 6 feet under, you know? This phone's running out of battery, shit! Look after me, Nico! De l'album Brave New World, je crois. Et, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, bah clairement, on va buter Francis.
J'aime bien hein, la description qu'il fait de Derek, hein, c'est totalement sa description. Le mec est quand même dans le déni le plus total de qui il est et de ses actions. Francis, I'm ready. What is the plan? I hope you got over yourself and are ready for some fratricide. Don't forget that I still got dirt on you. I know this ain't nice, but neither of us has a choice. It's sounding like I got no choice. One McCreary brother is going to get me to kill another. That's what I like to hear. I want you to take the window cleaning elevator on one of the buildings around back of the courtyard. Get in position and put Derek out of his misery. Shit, I better get ready to act surprised. Don't miss, Nico. You might hit me. I'll hit who I'm aiming at. Don't worry. J'aime bien tout le sous-entendu qu'il y a dans les réponses de Nico. C'est clairement le jeu est en train de te dire. Bah écoute, t'as le choix. Tu vas tirer celui que tu préfères. Bah, que tu préfères. Que tu préfères voir mourir, dans le cas là. Et tu sauves celui que tu préfères. Alors, Derek, on n'est pas un saint. C'est pas le meilleur des frères. Je préfère largement Paki ou Jerry. Mais au moins, Derek, comme je le disais, par rapport à Francis, sait qui il est et ce qu'il fait. Et au moins, lui, par rapport à Francis, a toujours été plus ou moins honnête avec... Pardon, même pas plus ou moins, a été toujours honnête avec nous. Bon, il m'a demandé de faire des choses un peu compliquées. Mais en tout cas, on l'a bien aidé avec Paki, notamment sur l'élimination du mec qui avait bavé sur lui. Donc voilà. En fait, j'ai aucune raison de sauver Francis, donc Francis va mourir, tout simplement. Donc du coup, si... dans cette situation, vous aurez choisi qui ? Tiens, ça m'intéresse de savoir un petit peu si si vous êtes du même avis que moi ou si vous êtes plutôt sur éliminer Derek plutôt que Francis. Alors, il va falloir monter là. Où est-ce qu'elle est ? Ouais, c'est là. On va prendre le fusil de précision. Parce que c'est ça qui va être demandé d'être fait. Et c'est parti. Ah, bah, je pensais que ce serait plus haut. Ah bah non. Même celui d'à côté. Moi, non, je croyais que ce serait un grand building. Ah, c'est tout de suite un peu moins impressionnant, mais... Derek, my brother! Frankie, what's this about? I've gotta say, I'm nervous about this little meeting. Shit, when I heard you was back, I nearly shat myself. Sit down. Why didn't you call me? You could have slept on my couch. I'm doing real well for myself, real well. I'm sorry about how life turned out for you. Eh bien, j'espère que t'as bien profité de ta vie, Francis, parce que c'est une balle dans la tête. Hop. On cache l'arme et on se barre. Aucune hésitation. Mon choix était fait. Il va y avoir un petit appel. J'attends en fait la fin de la mission. Alors ? Ah voilà, merci. Out of the fucking blue. I really got the feeling it was him and me back there. You don't know the half. The
last bit of juice I got on this thing. The real estate prices around here. Bien, voilà. Ça, c'est réglé, c'est fait. Alors pourquoi je vais ici, hein? J'ai bien vu hein, que ça a sauvegardé. Bon, on l'a tous vu, il y a un petit écran noir. C'est parce que du coup Francis n'a plus de mission à nous donner, sinon il aurait un petit peu de mal à nous en donner. Ou sinon on change complètement d'univers et de jeu, hein, s'il commence à nous donner des missions par fantôme ou par zombie. Non, c'est parce que je vais me changer. Même si j'aime beaucoup cette tenue, je pense que c'est ma préférée du jeu. Eh bien il va falloir mettre le costard, puisqu'on va aller voir un personnage qui s'appelle... Hop, j'accepte. Qui s'appelle... J'ai dit... Jimmy Pecorino, pour bah, du coup la mafia. Et donc on m'avait demandé de mettre un costard... Je sais plus, je retrouve pas le message, mais en tout cas voilà, on m'avait dit qu'il faut mettre le costard pour aller le voir. Il faut un certain standing pour aller parler à un membre de la mafia. Et bien c'est ce qu'on fait, on a une voiture plutôt pas mal, moi je trouve. Je crois pas que ce soit une des voitures de luxe, mais au moins c'est une voiture que je trouve plutôt classe. Et donc on va partir là-dessus pour la deuxième mission. Est-ce que du coup ça va poursuivre un petit peu la quête des diamants? Je sais plus si c'est lui qui était... There's one less cop on the streets of Liberty City. What do you mean, Becky? I mean that my cop brother Francis McCreary is no longer with us. You and Jerry must be very upset. Hardly. Couldn't stand the bastard myself. That said, the only celebrating Jerry's gonna be able to do will be in prison. He got hauled in last night. Shit, is it serious? Charges ain't gonna stick, don't worry. Anyway, it means a lot to the family if you come to Francis' funeral. It's at the church in Suffolk today. I'll stop by, man. I'll see you there. Remember to wear a suit, Nico. Can't have you dressed like a bum in the church. Ah. C'est où? C'est où? Parce que j'ai le costume. L'église de Suffolk, c'est ça qu'il a dit. C'est où Suffolk? Alors attendez, j'essaie de chercher. C'était pas prévu. Il y a bien une église. Oui. Le jeu. Tu veux bien me mettre? Ah, peut-être Kate. Hi Nico. Hey Kate. I'm sorry to hear about your brother. You're probably the only one. He was too much of a cop for my family to accept him, and too much of a gangster to be accepted by the cops. What did you think about him? To be honest, I thought this would have happened earlier. Then again, I expect to get a call from the coroner about any one of my brothers every day. You gonna be at the funeral? Sure. I'll see you there, Kate. Goodbye. Ah, ok, c'est bon. J'ai mis le point. Fallait attendre l'appel de Kate. Bon, bah, on va aller faire ça. C'était pas du tout prévu. Ouais, j'aime bien comment Nico fait totalement l'innocent en mode je suis vraiment désolé hein. C'est pas du tout moi qui vais coller la balle dans la tête hein. Je vois pas ce qui vous fait dire ça hein. Bon, le seul qui est au courant c'est Derek, mais est-ce que quelqu'un prendra au sérieux ce que pourrait dire Derek, surtout si juste avant il a sniffé sa drogue. Donc je crois qu'on est relativement tranquille, et comme elle le dit, personne ne l'aimait. En même temps, est-ce que c'est vraiment étonnant? Non. Mais personne ne l'aimait, donc personne va le pleurer, personne va chercher à savoir le pourquoi du comment il a pris une balle dans la tête au beau milieu d'un parc. Donc je
pense qu'on est relativement tranquille. Donc on va voir. Est-ce que ça va être une mission assez longue ou si c'est juste une cinématique? On va voir si je considère ça comme la deuxième mission de cet épisode ou pas. Ah non, c'est pas l'église à laquelle je pensais. Pourquoi pas. And while no one is suggesting he was an angel, none of us are. That is why God put us on earth and not in heaven. The trials of humanity were sometimes too much for him to bear, but he was a committed family man. And a man of beliefs. God asks us to show faith, and that is what he did in his way. Francis gave so much of himself and will be sorely missed by us all. Amen. 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 Now, if you will all please join me in the procession to the cemetery. I'm, sorry for your loss. I'm not. I'm sorry for Ma. I gave up on my brothers a long time ago. Most I ever expected from them was to put flowers on their coffins. Hmm. You have a strange family. Who doesn't? I don't know. Oh my God! Get the hell out of the way! Ok, ben, c'est un enterrement animé. Ouais, t'inquiète. Ok, pour l'instant ça fonctionne bien. Alors là, j'ai quand même coupé tous mes tirs. T'inquiète, ils font pas le poids avec leur petite doudoune là. Quoique, ils s'approchent. C'était animé, hein. C'est quoi, c'est le corbillard? Ah ouais, c'est le corbillard. Corbillard qui s'appelle Romero. C'est quand même de l'ironie. C'est trop bien trouvé comme nom quand même. On peut y aller. Ah, apparemment on se fait tirer dessus. On espère qu'on va pas perdre Francis. Apparemment faut que je fasse gaffe à pas faire tomber le cercueil. Donc on va essayer de pas le faire tomber. On va prendre doucement les virages. Bon, on considère ça comme une deuxième mission du coup. Shit, I never thought I'd be on the run from some Albanian gangsters with a cop in the car. Can we call for backup or something? Are you suggesting that I'm a fucking cop? I thought that you would know better than that. No, you dumb European fuck! I met my brother, Francis! It was a joke! Hell of a fucking time to be making jokes about your dead brother. You know, I'm still not that fond of the guy, even in his death. I guess that's what turning cop will do to a fraternal relationship. I guess you've got enough brothers to hate one of them. Swiftly running out, Nico. Ain't got that many left. Now that Francis is on his way to the graveyard and Gerald is behind bars, all I got left is that smackhead Derek. You've got Katie. I could have fucking guessed you'd bring her up. I was thinking you only kept those hitmen away from the church to protect my sister. I did it all for you. Sure you did, Nico. Tell yourself you did it out of the grace of your own heart rather than for another piece of your anatomy, which ain't gonna get used, I might add. Ouais, je sais. Ne touche pas à ta sœur, pas qui, t'inquiète. Okay, this is it. We can put him in the ground now.
Thanks, Nico. What for? Guys like you don't like cops. Being here, helping us out, I appreciate it. It's not that I don't like cops. You do what you do to get by. Cops are just regular guys trying to survive. Anyway, I'm not here for Francis. I'm here for you and Packy. Like I said, thanks. Give me a call sometime, Nico. Eh bien, voilà qui est fait. C'était, ma foi, une mission plutôt sympathique. Plutôt jolie, ce petit cimetière. Et bon, bah, j'ai utilisé pas mal de munitions. Il faut dire aussi qu'à un moment, j'ai visé comme une brille. Bien, ça c'est fait. Donc, deuxième mission réalisée. Bon, finalement, le costard pour aller voir Jimmy a servi à autre chose. Mais on va le garder. Et donc, on va aller faire cette troisième et dernière mission de l'épisode. Malheureusement, j'ai perdu ma voiture dans cette affaire. C'est dommage. Bon, celle-ci est pas mal non plus, hein, mais... Mais bon. J'aimais bien l'autre. Puis bon, pendant la course poursuite, j'ai pas dit grand-chose, puisque comme ils discutaient entre eux, Nico et Paki, je vous laisse suivre la discussion, soit si vous comprenez assez bien l'anglais. Qui c'est qui m'appelle ? Up. I'm sorry to hear that. We gotta discuss something. Put you on the business list here? Come down. Ok, Jerry. Mais par contre, t'attendras parce que... Voilà, y a d'autres gens qui m'attendent pour des missions. Et puis bon, hein, tu risques pas de t'enfuir. Tu risques pas de bouger de là où t'es. Et donc oui, je disais, voilà, j'ai rien dit pendant la course-poursuite avec le corbillard, puisque soit vous écoutez à l'oreille, si vous comprenez suffisamment bien l'anglais, les discussions entre les persos, sinon vous lisez les textes, et je sais que quand on essaye de lire les sous-titres, c'est assez perturbant quand quelqu'un d'autre vous parle dans les oreilles en même temps, donc c'est difficile de se concentrer. Donc voilà, quand ça parle comme ça, je préfère me taire. Comme ça, vous avez vraiment l'histoire, vous pouvez en profiter, découvrir le jeu, redécouvrir, revoir l'histoire, et puis apprécier tout cela. Paki qui nous envoie un message. Nico, merci pour ce que t'as fait au funérailles. T'es vraiment un ami, c'était complètement dingue, et maman avait vraiment pas besoin de ça. Je t'ai fait parler à Kate, sale charmeur. Je te garde à l'œil. Non mais, tu sais... Paki, tu n'as pas besoin de t'inquiéter, ta sœur enfin déjà peut très bien se débrouiller toute seule, et ta sœur sait très bien ce qu'elle veut, donc, et elle ne veut pas de criminels comme ses frères, donc t'inquiète pas que c'est mort pour Nico. Alors, avant qu'on nous appelle pour les enterrements, la mort de Francis, tout ça, je disais, peut-être que Jimmy, c'est la suite, finalement, un petit peu de cette affaire des diamants que Ray avait tenté de voler, et dont le deal s'était très mal passé, parce qu'on avait perdu les diamants, l'argent, tout. Donc peut-être que là, c'est un moyen soit de se racheter par rapport à ça, soit de les récupérer, de récupérer un certain investissement. Ah oui! Ça va, ça se met bien en termes de maison. I'm here to see Mr. Pecorino. Well, I didn't think you were here to sell me insurance. So, you here to work for him, shoot him, or arrest him? Or maybe all three? It's okay, Mrs. Spear. I'll deal with this. Yeah, I'm in a life-threatening situation and I'm having a conversation here. He could have killed me. You're useless.
organized crime my ass. With guys like you, no wonder this organization is doing so wonderfully. You, Nick? Come on. Peg. What? Someone for you. Oh, yeah. So, were you followed? I don't think so. Oh. I mean, who knows? Exactly. I mean, we can pretty much guarantee you were followed. The question is, did you know about it? And right now, I don't know the answer to that question. But to be honest, I don't really care neither. I know enough about you, your cousin, your friends. I know a lot of people around you end up in jail. Some, maybe. But that's the same all over town. This is a dying game. I don't understand. I mean, I'm gonna ask you to deal with a problem, and you're gonna deal with it. Or you're not gonna deal with it, and you're gonna be a problem that somebody else has to deal with. But me, I ain't doing nothing. Yes, okay. So what's the problem? We'll get to that. Anthony! Yo! Did Phil call? Not yet, boss. Ray called. Of course he did. I wonder, is it better to have a talented snake or a stoical lion who's gonna be cut down in his prime? I don't know. What do you think? I don't understand what you're talking about. You do. But I ain't gonna push. Anthony, get in here! Boss? Where's Big Pete and Marco? On their way. Listen to me. Here's what the plan is. Me and two of my guys gonna meet with a couple of boys from the Pavano family. I need these guys if we're ever gonna be taken serious. You know, get on the commission. Now, the thing is, these guys ain't, shall we say, shown us the appropriate respect in the past. I want you to run security. Keep an eye on things, because they won't be looking out for you. Ah, here they are. It's either them or the cops. It's them. They're outside. Looks like Ray's here, too. I know it's them. God, give me strength. I'll be out in a minute. Look after Ray till I get back. Hey, Tone. Hey, Ray. I need to speak with Pegorino. What are you doing? He's busy. Hey, Nico. Boss, Salve. Get up. I'm sorry, boss. This guy's everywhere like a freaking cockroach or something, huh? In a good way. Ray, you and me is gonna talk. The boss has got business. Yeah. Boss, I got you this because I care. You boys have fun. C'est suspect, hein, le cadeau qu'il vient de donner. Bon, bah, on va monter. Apparemment, c'est même moi qui conduis. J'aurais peut-être dû racheter du gilet pare-balles. Ah, il fallait l'attendre, ok. Excusez-moi. Allez, grimpe. What are you waiting for? Hit it! Let's go! Et on y va. Mais il avait un sac à dos, non? You guys all friends now? Nice. You best hope you made a good first impression on Nico, boys. He's gonna be the one looking out for you during this meet. Well, he's being paid to look out for me, so saving you guys' asses would be overtime. That's just if the shit goes down, right, boss? The Pavanos wouldn't fuck with you. Wake up, you fucking mook! Everybody's trying to fuck everybody. We're just hoping they got the manners to smile to our faces before they do it. You giving them a nice little offering, though, Skip. They ain't gonna turn up their noses at that. God, give me strength. It's like I'm dealing with children here. No wonder I ain't on the commission when my muscle is this stupid. If the Pavanos is a Liberty City family, what are they doing coming out to Alderney for this meet? I let them operate out here from time to time. Pavanos work a little shy business on this side of the West River. They also control a few bookies. I don't mind them taking a bite. I don't even make them give me a taste. Hopefully, they're gonna respect that when it comes time to ask them for a favor. You can't be too confident if you've got me here. Your insurance. I'm the captain of this ship because I look at every possibility. Check to make sure my ass is covered in each situation. I think about what's gonna happen if this guy screws me, if this one turns states, and so on. That's why you're the boss, boss. Shut up!
Jesus, you're worse than my mother. Anyways, that's why Ray ain't ever gonna make it to the level he wants to reach. He's too busy thinking about himself. That diamond fuck up is case in point. I'm like a fucking chess player. You're covering me for six moves ahead when me and the Pavanos is just putting our first pawns out there on a checkerboard. I like what you did there, Skip. Real clever. Can you do me a favor? Can you just shoot yourself to save me the trouble of doing it? Can you, Marco? Jesus! Alors, juste un point de vue, hein, de te voir ainsi. Mais j'ai plus l'impression que tu es parano que calculateur. Voilà, en suggestion, réfléchis dessus. Puis tu me diras ce que t'en penses. Et nous, on est arrivé au rendez-vous. Give him the rifle, Marco! You expect him to start throwing empty cans rump there if this thing kicks off? Ah, bonne mission, sniper. Here you go. Nico, go up into that building. There should be a spot where you can see over to me. Don't start shooting unless they attack us. I don't want this thing screwing up for no good reason. On sait tous que ça va bien foirer. Mais au moins il m'a armé, donc déjà ça c'est sympa de sa part. Et on va se mettre en position pour surveiller la rencontre. Alors j'ai vu, hein, il y avait un fusil en bas. Mais je pense que j'ai tout ce qu'il me faut sur moi. Là, ce qui va être compliqué, c'est vraiment de sauver les gens. C'est toujours compliqué de couvrir des PNJ dans les jeux. Donc, c'est là que ça va être chaud. Surtout dans ces phases-là, tu sais jamais s'il faut trop zoomer ou pas. Et ça discute. Putain, il s'est baissé au bon moment. Ok. Pas mort là. Et pas un autre. Bon. On va prendre les bonnes vieilles armes et puis on va descendre. On va aller chercher. J'étais persuadé qu'il y en avait un autre. Apparemment j'ai plus besoin de le couvrir. Il fait sa vie, pas de gilet, non pas de gilet malheureusement. Bien aimé qui m'en donne un gratuit. Ah bah voilà, je le disais bien. Ah non mais c'est des nouveaux ça. Ouh, je t'ai vu toi. C'est fait. Vous avez pas des munitions pour cette arme, non? Vous êtes juste avec des petits pistolets de merde. Ouais, malheureusement. Plus personne apparemment. Si. Dans mon dos. Bien joué. Bien joué, bien joué. Ok. Ah, c'était bien joué le mec.
mec derrière le mur là, il était bien placé. Putain, il est où? Ok, il est là. The fucking Pavanos! If the rest of the commission knew they did this, I'm sure the whole city will be up in arms. The motherfuckers trying to whack me at a sit down. Ça va être long, ça va être long. Non, c'est bon. They're trying to make off with my tribute. The fucking nerve. Non, tu connais pas. Ice those fucks, Nico. Ah si, il veut. All right, let's get these slime ball bastards. People like that give Italians a bad name. Whatever happened to the honored society and all that shit? Can't say I know. I didn't even send a fucking combo. This is a declaration of war. The Pagolinos and the Favanos are hitting the map. You heard it here first. I saw it through the scope on that rifle. We're gonna get that gift back and make this crew pay for their disrespect. Come on. J'ai crevé un pneu, apparemment. J'ai un peu de mal à le rattraper. Alors j'ai pas trop suivi ce qu'il disait, j'étais très très concentré sur le fait de poursuivre. Quoi? Oh non! Oh, c'est pas grave. Il va s'en remettre. Too bad that gift got destroyed, Mr. Pegorino. I'm sure it was real nice. Maybe you can pick up another one on craplist.net. Don't worry about it. Don't worry about that cousin of yours. He won't be in no danger sleeping in your Algonquin pad by yourself. Oh, il faut la refaire, bordel. Oh, je vais tout me retaper. J'ai pas compris qu'il fallait pas la détruire, la voiture. Oh non. Oh non, on va tous retaper. Oh, bordel. Ah, je suis dingue. What are you waiting for? Hit it! Let's go! Ah là là, je suis dégoûté, j'hésite à faire une ellipse. Bon, si je me reloupe, je ferai une ellipse, mais bon, allez, pour une fois, on va la garder. On n'a pas. On n'a pas eu beaucoup non plus de missions à refaire. Mais celle-ci. Celle-ci, je suis bien dégoûté parce qu'elle est longue quand même. I didn't get where I am by believing what every schmuck told me. You ain't the type of guy to follow orders if they ain't your interest. You're a smart guy, Skipper. Shut up, Pete. I'm surprised you can even speak when your lips are always puckered up kissing my ass. Ray was helping me out with something, so I helped him with the diamonds. I ain't gonna do shit for him, no more. I don't like the way he does business. Things got too complicated. Damn right they did. That ice was a real fuck-up. Ray didn't go through the correct channels. Guy who owned the diamonds, Gay Tony, is in with the enchiladas. A lot of people said those diamonds were theirs. Tell me about it. But I don't give a shit about them other people. What I'm worried about is our involvement with getting back to Gay Tony and his connections. We got a lot riding on this meeting with the Pavanos. Want to keep relations sweet with at least one of the families that got a seat on the commission. You're gonna get a seat on that commission real soon, ain't you? About time, Alden, he got some representation in the city. Don't tell me what's due to me. I've been waiting for this and working hard for this for years. Alden ain't worth nothing without me. My old man, God rest his soul, didn't have the balls to bring the family to the level I got it to. I'm gonna get that seat because of what I done. Sit down next to John Gravelli, if he survives that long, and run all of Liberty City. The whole country, maybe. The Pavanos. Are they gonna offer you a seat then? They can't give me a seat, but they can help me get one. Ain't nobody been given a seat since the commission got founded. Shit. The times has changed. Since Rico, the commission ain't the same. They need a family with a new approach to be sitting down with them. I got a nice little offer into the Pavanos that's gonna persuade them to argue my case. Something real classy. Real nice. Can't wait to see the look on their faces.
Alors j'ai rien dit parce que les dialogues ont changé, au moins. Give him the rifle, Marco. Au moins c'était intéressant du coup de refaire le chemin. Parce qu'on avait de nouveaux nouvelles lignes de dialogue, un petit peu plus. Ça abordait d'autres sujets, ce genre de choses, donc voilà. C'était intéressant, c'est pour ça que je me suis tué le temps que ça se passe. Comme ça, ça me permettait aussi de me concentrer sur la route. D'éviter de rentrer dans toutes les voitures qui passent. Ce qui est toujours un peu plus appréciable. Hop, on monte. On se met en position, on sait comment ça va se passer. J'ai cru que j'ai tiré sur le... sur Pecorino. Pecorino. J'ai faim. J'ai envie de Pecorino. Ok, c'est bon, je l'ai eu. Ok, pour lui. Ok. On reprend une arme un peu plus efficace. En tout cas sur les courtes distances. Et on y va. On va se dépêcher de le rejoindre. Je sais pas s'il y a un timer invisible pour aller le sauver avant qu'il meure. On récupère les munitions quand même. C'est gratuit. Et on y va. Donc là il y a plein de mecs normalement qui sont apparus. Il est tombé mais il est pas mort. Quoi? Oh mais non! Mais il est mort de quoi là? D'où ça met autant de temps? Bon, ellipse jusqu'à ce que je le récupère en voiture. Et au moment où il faut poursuivre le tribut. Ça, sinon ça va faire trop long et ça va être trop répétitif pour vous. A tout de suite. Ok, on l'a récupéré, c'est reparti. Donc on a compris. Sur reprendre le cadeau. Mais bon, après, je vous avoue que bon, quand t'es en train de faire la mission, tu lis juste rapidement ce que tu es censé faire. They try to fucking kill me! Well, at least they had the respect to do it to me. They didn't come to your home while you and your wife were sleeping. Allez. Let's make them wish they was never born! Certes, mais il faut que je récupère ton cadeau sans détruire la voiture. Cette voie est compliquée, c'est-à-dire que je peux pas trop tirer dessus, quoi. Ok, il se sent fui. C'est suicidaire hein, ce que tu viens de faire, on est d'accord. Mais ça fonctionne. Ah mais non, mais te bloque pas dans un cadavre. Bon, il est en train de s'enfuir par le haut. You. Je lui ai mis une balle. Voilà. Ça, c'est fait. Du
qu'à remonter dans la voiture et à le ramener. Espérant qu'il n'y ait pas d'autres ennemis qui arrivent. Donc il avait bien un sac à dos. Ce qui n'est pas très classe, hein. T'aurais pu prendre une mallette. Petite mallette comme ça, un petit attaché cuir. Avec si possible du faux cuir, comme ça on fait pas de maltraitance animale, mais... Here you go. You're a good earner, Nico. Take me back to my place. Mais ça aurait été quand même un peu plus classieux que... We better not be getting what? Que de... I can't believe that Pavanos would treat me like this. Que de prendre ton petit sac à dos là de collégien. It means something in Alden, eh? Even if it don't in Algonquin. They better not think of crossing that West River and not looking over their shoulders. Too bad about Marco and Pete. Marco and Pete? Oh yeah. Those guys didn't make it, did they? Well, too fucking bad. They knew what they were signed on for. Weren't complaining on the way out, were they? No, they weren't. Happy to be on board with the skipper. Yeah, well, they seemed like good kids. Ah, these kids come and go. It ain't worth paying attention to them until they prove they can survive. I just move on and hire some wannabe wise guys off the street. It's that simple? Has to be. I only start paying attention to my crew when they start putting me in an awkward position. Either because they know too much in my rat, or because they got too much power and they're too smart to get themselves clipped. Ray was nothing to me until he started earning big and sticking his nose in places it didn't belong. Rats seem to get everywhere you don't want them to be. The only way you know is by finding their shit all over the place in the morning. Phil's different. He's been my man for a while. I mean, how much can I do with a guy who ain't a full Italian? He's 90% Irish. It don't do too well for the reputation of us Pecorinos having St. Patrick that high up in our organization. You see the respect we're getting out on the street? Jesus! Ouais, ouais, bah, tu peux parler de tes problèmes, mais je crois que Nico, il s'en fout, globalement. Juste là pour se faire payer. Et avoir de l'argent. Sauf si tu peux lui apporter des infos sur la personne qu'il recherche. Je crois qu'il s'en fout de tes problèmes d'organisation. Bon, au moins on a enfin réussi cette mission. J'imagine que la deuxième fois où ça a loupé, c'était... Notamment Duke, ah peut-être j'ai dû lui mettre une balle, hein. Je pense que j'ai dû lui mettre une balle et donc il avait plus beaucoup de santé. Ça doit être pour ça. You did good, kid. Kept your head when everyone else was losing theirs. Sometimes literally. We're gonna need your skills again soon. Arrivederci. Bon, au moins il paye 10 500 $ et ça, c'est cool. Et ben voilà, dernière mission de cet épisode qui est terminée. Je sais pas du tout combien de temps dure l'épisode en question. Je sais pas s'il est long ou s'il est court. En tout cas, pour l'instant, Begorino n'a pas d'autre mission à me proposer. J'aimerais bien sa voiture là, mec. Est-ce qu'il va s'arrêter? Non, maintenant il a un feu vert. Quoique, il a eu... Non, tu passes au orange. Ouais, tant pis. Je vais prendre celle-ci. Et donc nous on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. S'il n'a pas d'autres missions à me confier, on ira du côté de Bernie qui est de retour. Et qui a d'autres... Ah, j'ai mis un truc à dire. T'as fait du bon boulot, passe me voir le boss. Ok, donc non... Jimmy a d'autres missions à nous confier, donc on continuera sur les missions de Jimmy pour le moment. Et puis après Bernie, puis après Jerry. Et ainsi de suite, en tout cas, on progresse. La prochaine fois, je vais faire en sorte d'avoir un personnage secondaire en début d'épisode, même si je dois rester planté à un endroit pendant super longtemps, pour qu'il apparaisse. Mais comme ça, on aura un personnage secondaire et on pourra avancer aussi là-dessus. En tout cas, on a passé la barre des 80%. Et oui, ça va vite et ça va aller très très vite. Je pense qu'on va bientôt amorcer peut-être un rush final... de missions, puisque bientôt il n'y aura plus d'activités annexes à faire ou à montrer, et donc les missions vont s'enchaîner, les épisodes aussi, et donc on va progressivement atteindre le 100% et la fin de ce let's play, hein. Globalement il reste à mon avis
moins d'une dizaine d'épisodes. Donc préparez-vous à avoir l'épisode final à arriver. Hein. Et bien sûr, j'espère en tout cas que celui-ci vous a plu. On se retrouve très vite pour la suite de l'aventure GTA. En attendant, je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous dis à la prochaine.